Oui, j'arrive ici comme un visiteur dans cette salle qui commence par la vie d'herbier, puis qui continue. C'est un espace extraordinaire, 1200 mètres carrés avec différentes atmosphères. Donc là, on y voit, on travaille sur le vitrail sans plomb. Là, on y voit ce que j'avais exposé au Carrousel du Louvre. Et là, on y voit cette perspective étonnante où on voit au fond la sculpture, ce que j'ai fait là, à Trélazé. C'est extraordinaire d'arriver ici à Trélazé, de me retrouver vraiment dans une multitude de morceaux d'ardoise. Enfin, alors là, c'est vraiment comme un amoncellement, ça vient de sortir de la terre. C'est là, c'est. Ça va être un jeu d'enfant parce qu'aller piocher là-dedans, c'est assez ludique un peu. C'est à la fois très sérieux et à la fois. Humoristique dans le genre où il va falloir que je fouille, et surtout que je glisse pas trop sur cette montagne, une montagne, un grand monde de particules de la Terre, parce que c'est les entrailles de la Terre qui se trouvent ici en plein soleil, et j'ai toujours été fasciné, comme je l'ai dit, par le noir, l'obscur de cette matière qui, avec un reflet, c'est un noir qui peut être un miroir, on se reflète pas dedans, mais la matière se reflète en elle-même. Et ça m'a toujours assez intéressé. Donc je vais voir ce que je vais pouvoir trouver dans cet univers, pêle-mêle. Généralement, on trouve les ardoises chez les marchands, bien rangées, ou alors comme j'en ai trouvé parfois, comme je le dis, dans des granges qui périclitaient, dont les tuiles d'ardoise tombaient. Là, c'est vraiment l'extraction du sol, et c'est tombé. On pourrait croire aussi que c'est tombé du ciel, non, c'est tombé de la terre sur ce terre-plein. Donc voilà, bah, je vais commencer, je vais aller en chercher, puis je vais voir ce que je peux communiquer avec cette matière. Donc voilà, je vais prendre, je sais pas, un outil, je vais essayer de la... D'ailleurs, il faut vivre avec, ça, ce côté-là est merveilleux. Celui-là est intéressant parce que tous ces plis comme ça, c'est comme des rides, des travail. Alors c'est un feuquetage, pourquoi c'est épanelé comme ça, je ne sais pas. Et c'est toujours ces surprises assez merveilleuses. Bon, donc là en plein soleil, on y voit des choses qui sont assez magiques. Il faudrait essayer de voir le... Ah oui, c'est... Je débute, hein, je ne sais pas du tout les... L'ardoise, j'en ai travaillé d'autres ardoises quand je me retrouvais à Charleville-Mézières, et elle n'a pas cette faculté d'accueillir un burin, d'accueillir une pointe, d'accueillir une main. C'est pas la même composition. Là, par exemple, c'est assez magique. Bon, là, c'est un... Puis, alors, ce bruit aussi, participe au travail. Je vais essayer d'autres outils parce que je découvre, hein, sur place. Je suis en train d'essayer les outils qui vont correspondre à cette texture-là spéciale. Chaque morceau a son univers aussi. Ah, c'est drôle, c'est du bon, ouais. Découvre autre chose.
Et un personnage apparaît, c'est drôle. C'est vrai que la forme était déjà un peu présente pour cela. Voilà, on l'a laissé reposer un peu, savoir ce que ça... Comment ça vit tout seul? Est-ce que c'est réussi? Est-ce qu'il faut la retravailler? Est-ce qu'il faut la laisser à l'état brut comme ça, comme des masques de la préhistoire? Parce qu'on y est là, on est dans la matière préhistorique. Là. Et on est dans la gravure aussi, rupestre. On va la poser là ou par terre, tiens. Je suis très content de voir ces images, et ça a été très bien filmé d'ailleurs, parce que là on voit la main ou les mains qui travaillent avec un outil, cet outil qui change parfois, qui est le prolongement de la main, mais qui part du regard. Le regard doit maîtriser ce geste-là. Et là on est en direct sur la création, peut-on dire, d'un travail qui va se terminer par une situation dont on n'arrive pas encore à comprendre quelle est la finalité, mais c'est fait partie du mystère du dessin. On y voit comme ça, là, je suis content de me voir en train de maîtriser parfois le geste, ce qui n'est pas toujours évident parce que, on tourne là, bien capté ces images-là, j'essaye de débarber, de raboter ce qui ne correspond pas à une forme. Là, c'est une observation qui va peut-être m'amener ailleurs. Là, je me trouve dans une nouvelle situation. L'incision, comme ça, est importante. Forcément, de dessiner, j'ai beaucoup dessiné, ça aide après à maîtriser le geste, parce que quand même, cette matière n'est pas... C'est pas un papier, hein. Elle peut nous emmener là où elle veut. Et il faut à tout prix avoir un véritable énergie de discussion avec la matière. C'est une discussion d'ailleurs parce que elle écoute. Hein. Là, on la brosse, on enlève le surplus qui cache le dessin. C'est du dessin. C'est pas du dessin sur une toile ou sur un papier. Donc on est proche de la gravure. On est dans la gravure d'ailleurs, mais la gravure qui est dans le minéral. C'est pas la gravure sur une plaque de cuivre ou sur une plaque de zinc. C'est quelque chose qui résiste différemment sous la main. Bien sûr, il faut quand même dépousseter un petit peu, enlever la poussière qui est arrivée en burinant ou en dessinant, en gravant. Changement d'outil, donc changement de regard. Le regard m'amène aussitôt à trouver quelque chose. Donc il faut avoir les choses sous la main, très près. On fabrique parfois ces outils qui correspondent à une énergie. Oui, il faut la maîtriser, sa matière. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je sais où je vais aller, mais là, on ne voit pas encore, l'image ne peut pas montrer exactement ce qui m'emmène. Parce qu'on est emmené, hein, c'est pas, il y a un désir comme ça avec soi, mais cette communion qu'il peut y avoir entre une technique, une matière, un regard, c'est le regard qui est important. La main est dirigée par le regard. Ça va très vite, ça va très très vite. Peut-être encore le pousser un petit peu ou le laisser comme ça. Faut le laisser comme ça. Je ne sais pas Il faut laisser reposer l'œil, c'est trop proche de l'action là. Ah là, ben alors on retourne à la recherche, aller chercher ces éléments qui vont nous permettre de continuer à avancer. Chercher un caillou. Je vais sûrement faire une série comme ça de parallépipèdes, enfin de volumes.
proche comme ça des... Oui, des plantations, des aliments, des choses comme ça, quoi. Moi, j'ai fait qu'un signe seulement. Je ne sais pas lequel. Est-ce que je l'invente directement à l'outil ou est-ce que je le dessine avant? Voilà, Peut-être donc un c'est autre. assez. Et puis on ne le sait pas, on fait ça. D'ailleurs, je ne pensais même pas que ça pouvait être présenté là, au centre d'art. Là. On fait pour faire, on se met dans une situation où il n'y a pas de but spécial. Il y a juste le désir de trouver une force nécessaire pour faire sortir cette lumière ou cette énergie qui se trouve dans un bloc comme ça. Là, c'est de l'ardoise, et l'ardoise a une spécialité propre à elle-même. C'est assez surprenant, enfin pour moi, j'ai toujours trouvé une véritable communication, on peut dire, ou une véritable palpation. Ma main a un bonheur et un plaisir de manier ça. Ah là, on voit que la passion est là. Alors, on va garder ça que là-bas pour le mettre là-bas, sur fond, plate, ouais. En fond, et on va incliner les trucs comme ça. Je verrai si je peins là-dessus, je ne sais pas, mais d'accord. Surtout avoir comme des fragments Après, on peut inclinés. mettre celle-là et puis essayer de trouver de la paillette d'ardoise ou quelque Oui, chose si, ah, devant, ah oui, ça serait beau ça. un lit d'ardoise Oui, pour oui. poser les pierres dessus Voilà, plutôt. voilà. Puis faire comme là-bas, ça a été fait, Oui. une sorte de. Que de l'ardoise. Bon, celle-là, Là, on l'a. On va. Incliner, on appuie dessus. Oui, voilà. C'est bon, vas-y. Pose-la là, pour l'instant, tu la mets là-dessus, là. On verra après si la composition. C'est bon, on va voir. Pour l'instant, on la met là. Savoir si on la virera après, c'est pour savoir. Comme ça, c'est bien. Ça. On la. Oui. Dans quel sens tu veux que je la tourne? Je sais pas. On va déjà la pivoter à 90. Là, on va laisser le sommet là-haut, là. Là-haut? La base, là. D'accord. Faut la ramener pareil. La pivoter. Hein. Faut la ramener vers moi là. Non, non, l'autre côté. C'est bon, c'est bon. Alors quand je vois tout ce travail, c'est quand même lié au service technique de la ville de Trélazé qui ont participé vraiment à prendre ces blocs et à en faire, parce que ce sont des blocs de 300 kilos, 400 kilos, l'autre 500. Bon, et alors il faut se mettre dans une situation pour positionner très bien ce que j'avais fait, j'avais prévu. Et là, alors là, j'y vais à la pioche parce que ça remplace le burin. Il faut affûter la pioche. Donc, vu les gros morceaux, il faut avoir la même précision que si on prend un marteau et un burin. L'outil devient un ciseau. C'est pas seulement. Donc voilà. Donc je suis en train de dégrossir, de faire un épalelage pour
Après, il travaillait forcément au burin et à la masse. Voilà, il faut quand même le regard doit maîtriser l'outil. C'est une liaison extraordinaire qui est assez forte. Là, c'est la phase un petit peu du nettoyage, forcément, avec toute cette manipulation. Il fallait y voir un petit peu mieux. Et puis, c'est vrai aussi que l'eau donne aussi une autre perception. Ça enlève un côté poussiéreux que peut donner les éclats de l'ardoise. Voilà, donc, après, on va laisser s'évaporer et continuer à travailler. Même l'herbe est là pour nous chatouiller. Travailler comme ça en pleine nature, c'est... Là, je vais chercher, je dessine, pour après bien ciseler tout cela. Parce qu'en fin de compte, c'était toujours sur l'idée du baiser, quoi. Il faut que les pierres deviennent amoureuses. Donc, c'est deux profils, un baiser. Donc, j'ai buriné, j'ai gravé, j'ai ciselé pour donner cette forme. Et après, bon, j'ai voulu donner un contour par le dessin, donc un gros pinceau. Il va y avoir, voilà, des grandes traces noires, et puis il y aura après des grandes traces bleues. Parce que peindre l'ardoise, c'est pas possible. C'est cette matière qui doit exister. C'est ce que j'avais fait dans mes, voilà, ce que j'appelais l'ardoisière polychrome. J'avais trouvé toute une technique qui permettait toujours de garder le noir et la lumière de l'ardoise tout en étant une couleur. On peut juste, parce que c'est une approche différente entre les tout petits formats et là, il y a quand même une grande surface et puis et du poids. Bon là, l'image parle d'elle-même. J'avais fait des grosses ébauches là tout de même pour avoir un gain de temps parce que les outils actuels sont quand même là pour travailler. Et dessiner avec un outil électrique, c'est toute une précision à avoir, on l'apprend, c'est un échange. Hein. Bon, le burin reste là pour finir. Et donner toute la délicatesse du trait, parce qu'il faut quand même que le trait soit lumière. Ça, c'est toujours la force du dessin. C'est que un trait, on croit que c'est toujours comme ça, un truc qu'on trace. C'est ce qui se passe actuellement, parfois, dans des choses de vidéo, le trait comme ça. Non, il faut le faire vivre par la lumière. Il faut aider très doucement, chaque petit choc fait un éclat différent avec la lumière. C'est ce qui donne ces tonalités.
Bien sûr que... Voilà, je vois, on y va en cherchant. Se revoir travailler comme ça, c'est assez sympathique, parce que... On revit l'incertitude du moment, ou parfois des certitudes, des gestes plus précis. Voilà, on tâtonne, on pilonne la pierre, enfin, l'ardoise. L'herbe qui vient, hein? Regardez. Enfin, l'herbe, le brin d'herbe. Et là, il n'y a pas de reprise quand on peint comme ça directement dans la pierre. Sur un tableau, sur une toile, on peut revenir, gratter, remettre par-dessus. C'est une succession de brouillons, souvent, une peinture. Et là, il faut être un peu quand même plus sûr. Mais c'est le geste préhistorique, c'est-à-dire on regarde bien la forme, on regarde bien la lumière, on s'en empare, et subitement, on décide de placer là le pinceau. Ou la trace par le burin, ou tout ce qui touche la vie. Et Marc-Paul, si j'ai besoin de la remonter, je veux passer une fois. Alors nous voilà, après avoir repris là-bas les blocs sur le chantier, il a fallu les remettre en même position. Je l'avais travaillé, donc là c'est toute la même délicatesse et même un peu plus délicat que tout à l'heure ce que l'on a vu. C'est quand même là très précis. Donc des gens très, très compétents avec moi qui manient les engins comme ça, pas, oui, une grande dextérité et d'une grande sympathie, d'une grande gentillesse. Là, on y voit Maurice qui déplace les pierres, moi qui essaye de bien redonner un axe à tout cela. Derrière, il y a Gilles qui vraiment aussi a été une grande aide. Il y a des gens qui pigent là, ils sont dedans, c'est assez extraordinaire. Ils étaient dedans, ils ont ressenti tout de suite ce qu'il fallait apporter. Mais si on peut ça, faire voilà, la main. Hop, la moisse. Oui, là, j'avais tout pour retrouver le dessin, les photos que j'avais prises. Oui, c'est normal, oui. Ah ben, on va le planter sur celle-là. Ils viennent caresser les pieds, ils viennent caresser ces blocs. Là, tu vas le porter sur ça. Hein? Encore. J'écarte. Ça joue à quelques distances. Je voulais vraiment que le baiser se retrouve. Voilà, il y avait l'image qui était la photo. C'est pas mal, là, on va poser. Là, on va ah non. S'il y a besoin de la réparer, on la réparera. On la réparera. Ah, j'essaie de le remettre exactement là. Ça, c'est beau, ça. Ah, là, c'est nickel. Ben, quand c'était comme ça. C'était comme ça. C'est vrai qu'après qu'il a fallu faire des éclairages pour redonner l'ambiance où je l'avais travaillé, parce que c'est quand même ça qu'il faut voir. Mais ça s'est très bien passé, on a retrouvé un éclairage correspondant à ce que j'avais vécu. C'est vrai que c'était en plein soleil, il faisait beau, c'était merveilleux. Pierre, dis-nous là. Ah oui, j'arrive. Donc il calait ça, il avait peur que quand même ça puisse casser, péter. Non, il ne pensait pas, mais il fallait bien les poser sans heurter. Et moi là, je regarde sur mes photos ce que j'avais prises, comment l'emplacement. Ben là, c'est le départ d'une partie de l'exposition. Là, c'est la vie, ce qu'on appelle vie d'herbier, trace et lumière des simples, où j'avais récupéré à la faculté de pharmacie, à la bibliothèque, dans un herbier en décomposition, la poussière,
Et je l'ai sur le papier d'origine, je l'ai replacé comme ça, et j'en ai fait un travail du mystère. J'ai fait comme une résurrection, j'ai réveillé dans l'herbier la plante qui était morte, et je l'ai réveillée, voilà. Elle s'est redéposée sur le papier, bien sûr, avec mes doigts qui ont positionné tout cela, mais le mystère est réapparu, surtout sur ce papier d'origine qui a 150, 200 ans. Là, on rentre dans un autre monde, c'est le monde où j'avais fait des empreintes, donc des empreintes ancrées. L'ardoise était ancrée, c'est du papier arche. Sous la presse, j'ai toutes ces plaques d'ardoise. Hein, j'ai fait le transfert de la magie de la matière. J'en ai pas tiré beaucoup, c'est deux, trois exemplaires, parce que ancrer toujours de la même manière, ce n'est pas simple d'ancrer l'ardoise. C'est pas comme une gravure sur plomb ou une lithographie. Là, ce sont des peintures, j'ai mis pour que ça fasse vivre un peu les murs. Là, c'est une petite partie d'un travail que j'avais fait, ce que j'avais exposé au Carrousel du Louvre. Et là, tout ça, là, ce sont les fameux vitraux sans plomb que j'ai fait à Olivet, et que je vais aussi refaire à Orléans. Voilà, supprimer le plomb de la lumière, laisser que des chemins de transparence sur le ciel. Là, c'est la partie aussi. Là, bon, des plaques d'ardoise gravées. Tout cela, voilà. Là, ce sont des dessins sur des insectes. J'ai travaillé pour un ouvrage là, sur Fabre, sur l'entomologiste qui a parlé des insectes. Et j'avais travaillé avec un livre qui est sorti, Castor Astral, Portrait d'insectes. Et j'avais fait plein de peintures, des gouaches, des dessins. Là, c'est un mur de poésie que j'ai fait avec une poète, Constance Chlore. Dernièrement, on a travaillé à quatre mains. Là, j'ai sorti du livre d'un artiste qui a été édité par l'Imprimerie nationale, et j'en avais fait un peu comme une partie murale qu'on puisse lire comme ça, aussi bien dans le livre. Là, c'est un travail avec des poètes. Là, c'est des ardoises. Polychrome. Là, c'est ce que j'ai fait dernièrement avec le travail des gouaches du monde végétal, aquarelle, gouache. Voilà, un petit travail taillé là dans la pierre. Une série que j'avais fait un moment de regard, de visage. Des incisions, des moments, des situations. Là, la mise en situation est assez belle, on voit tout au fond, je voulais que je sois attiré par cette lumière au fond de ce couloir. Toujours comme ça, des visages, une période.
Voilà, donc là, quand on arrive dans l'exposition, on voit aussi ces grands blocs d'ardoise que j'ai fait sur le baiser. Et puis, on repart en étant, comme ça, pris aussi la finalité de l'exposition. Se retermine sur ce travail que j'ai fait à Trélazé sur le baiser. Et un grand merci, bien sûr, à toute cette collaboration qui a participé à ce travail et au montage de cette exposition, à la création là-bas dans les du baiser, tout ça. Non, c'est un moment très sympathique parce que là, on vit vraiment un échange avec des gens qui sont proches de l'art. Ça fait toujours plaisir, aussi bien de la municipalité, les élus, les collaborateurs et les employés de mairie. Voilà. Donc merci à tout le monde.